t'ai organisé un dîner vendredi. Simon voulait venir voir la petite, il a insisté. D'ailleurs, je voulais lui proposer d'être le parrain. Qu'est-ce que tu me fais là? On avait dit pas de parrain. Ah, t'es contente d'avoir un parrain, toi? C'est surtout papa qui est content. T'as un beau plan de carrière, ça, hein? 100 balles qui vient pas à ton dîner, ton parrain symbolique. Je voulais pas t'en parler au téléphone, mais. Quoi? C'est mon père. Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être la dernière occasion de passer une soirée avec lui. Pas Hubert. Je sais que ça lui aurait fait plaisir qu'on soit tous réunis, et sans toi. Je vais me libérer, bien sûr. Alors on dit 20h à la maison? Hubert. Tiens, c'est pour toi, des cigares. Mais enfin, ça fait 10 ans qu'il a arrêté de fumer. Tu sais, c'est pas bon pour ses artères. Et alors, quelle importance maintenant? T'as vu ma petite fille? Elle dort. On peut aller la voir tout doucement, non? Quel âge ils ont dit qu'elle avait? 5 mois. Elle est petite, non? Elle est mignonne quand même. Pourquoi? Tu vois quelque chose derrière son pif, toi? Ouais, j'avais pas remarqué, regarde, elle a la même tache de naissance que sa mère. Bah, éteins! Bah, pourquoi? Elle a une tache de naissance, Charlotte? Non, pas dans le cou, mais. Mais où? Non, laisse tomber. Oh, t'as dû la déglinguer, Mr. Fou. Bon, à table! Les amis, elle est magnifique.